Allô, maillot. Quand je parle trop vite, c'est ce que ça donne. Salut, Régis. Salut à tous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Marlène Schiappa. Je crois que vous allez revenir au gouvernement. Il y a une annonce qui est parue ce matin sur Le Bon Coin. Je vous la lis. Urgent en cause des routes électorales. Recherche femme politique d'expérience pour poste de ministre. Vous avez le choix. Il y a la mer, l'écologie. Enfin, il y a tout ce qu'il veut. On peut dire que vous avez eu le nez creux sur cette histoire. Vous avez quitté le navire juste avant le naufrage. Comme quoi, parfois, c'est une bonne chose de se faire virer. C'est exactement ce que me disait la direction de France Bleu en m'annonçant mon licenciement. Non, je déconne. Vous avez suivi la locution de notre président hier. Ça sentait le déni. On aurait dit une mauvaise thérapie de couple dans une mauvaise série française. Rien ne va plus entre Emmanuel et la France. Après 5 années d'incompréhension et de crise, et malgré des secondes noces en avril, le couple est au bord de la rupture. Hier, ils ont tenté ensemble une dernière médiation. Emmanuel, ça ne fonctionne plus entre nous. Qu'est-ce que tu comptes faire pour sauver notre couple ? Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Collectivement ? Mais tu te fous de moi, Emmanuel ? Ça fait 5 ans que tu décides de tout seul et dans mon dos. J'entends et suis décidé à prendre en charge la volonté de changement. Mais quel changement ? Quelle volonté ? Sois précis pour une fois. Je crois qu'il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Quoi, tu t'es cru chez Jacques et Michel ? En fait, ton plan, c'est un plan cul ? Je suis convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le premier jour. Je l'ai largement pratiqué. Ah bah ça, je sais. 5 ans que tu couches un coup à droite, un coup à gauche, ne me dis pas que tu es encore allé voir ailleurs. Beaucoup ont aussi fait part de leur disponibilité pour avancer sur des sujets majeurs. T'es sûr, tu me prends encore pour une cruche. Et j'ai confiance, parce qu'ensemble, nous avons traversé tant de crises, tant de difficultés ces dernières années. Eh ben moi, j'ai traversé la rue, j'ai toujours pas trouvé du boulot. Je sais que tous ensemble, nous trouverons le chemin de la réussite collective. Ouais, bah là, tu m'as pris pour la femme de ménage des Garrido. Je n'aurai qu'une boussole. Tu sais où tu peux te la carrer, ta boussole ? Allez, ciao, moi je me tire à l'Assemblée. Je salue cet esprit de responsabilité et je souhaite qu'il s'inscrive dans la durée. Allez, finito, Gérard Majax. Bon, c'est pas gagné cette histoire de couple. Bah, vous, jamais vous n'entrerez au gouvernement, une chose est sûre.